Mesdames et messieurs téléspectateurs de Canal 2 International, tous les samedis dès qu'il est 11h se réunissent ici là des hommes d'État, des hommes d'Église, des hommes de Dieu, des hommes de la sorcellerie, des foirés, des menteurs, des salopards qui pensent connaître l'actualité du Cameroun et qui en parlent. Nous allons encore en parler aujourd'hui. Nous parlerons de la corruption parce que nous avons sur notre plateau des corrompus qui sont avec nous. Et nous vous disons bonjour. Merci de nous regarder. Je vais présenter notre panel aujourd'hui. Je commencerai par un monsieur qui, ça fait longtemps, il n'a pas été ici. C'est un monsieur, l'Européen, il est avec nous. Hector Flandrin, bonjour et bienvenue. Je vous accueille avec cette question. Donald Trump taclerait l'économie chinoise au regard des sanctions contre Huawei. Quel est votre point de vue sur le sujet? Alors, je dois commencer mon propos en disant que je suis tout à fait très content de savoir que vous, en tant que noir, vous commencez le propos en passant la parole au blanc que je suis. Cela démontre l'intérêt que vous manifestez envers la science. Déjà, je vous rappelle que c'est mon père qui a colonisé vos parents. Ah, c'est une petite parenthèse. Oui. Alors, revenons à la question fondamentale. Oui. Huawei et les États-Unis. Ben, il faut comprendre que les États-Unis ont décidé de mettre Huawei dans la liste noire. Noir comme vous, noir comme lui, noir comme toute l'Afrique. C'est-à-dire, désormais, plus de contact avec Huawei. Donc, du coup, ça a des répercussions dangereuses. Il faut le préciser. Dangereuses. Je ne sais pas si tu sais écrit dangereuse, mais c'est ton problème. Dangereuses. Sur l'économie et de la Chine et du monde et de toi et de tout le monde. Merci beaucoup, monsieur Hector Flandrin. À présent, fermez votre bouche. Alors, je me tourne vers vous, monsieur Guy Moussongo. Vous êtes un plaisir pour nous de vous avoir, vous qui êtes un grand consultant sportif. La liste des 23 joueuses est enfin connue pour la Coupe du Monde en France. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de Lyon? Bonjour tout le monde, bonjour le Cameroun, bonjour le monde entier. Ce qu'on peut attendre de Lyon, c'est évidemment le succès. Le succès, quand on voit comment il y a eu un mélange assez homogène, on est allé chercher très loin. On est allé chercher au-delà de nos habitudes. Jusqu'aux États-Unis par exemple, nous sommes allés fouiller. Ça veut dire que quelque part, on commence à comprendre que qu'il ne faut pas limiter nos recherches très proches. Il faut aller plus loin, aller au fond des choses, donner la chance à toutes les filles, où qu'elles soient. Voilà, voilà. Donc c'est un plaisir hein, de vous écouter. Mr. Senior Pastor, I don't know if I will express myself in English in order you to understand exactly what I want to say. But the 30 May was celebrated the United La Fête, non? And then, let me poser ma question en fraîche. Au regard du monde qu'il y avait au Palais d'Unité lundi après le défilé, surtout l'ambiance qui régnait entre les convives, can we say that there is vive ensemble in our country? We will say there is vive ensemble because you see everybody ensemble. Yes. But then, but il y a vive ensemble, but il y a pas manger ensemble. Comment ça? Tout le monde vive ensemble, tout le monde ne mange pas ensemble. La nuit là, tu sais, moi, tu vois, on vit, on ne mange pas là-bas. On vit ensemble, on ne mange pas. On ne mange pas ensemble. Donc, on ne devrait pas seulement se contenter de vivre ensemble, mais on devrait aussi penser à manger ensemble, selon ce que vous nous dites. Royaume-Uni, Theresa May démissionnera vendredi, alors quelle avenir pour le Brexit? Vous qui avez la spiritualité, qui avez Dieu avec vous, qui peut-être Dieu est peut-être dans votre poche actuellement, dites-nous, quelle avenir pour le Brexit, monsieur Oga? Oui, first of all, good morning. Monsieur le panier, il faut déjà apprendre à faire. Every time when we want to present man, tout disait de lui de bonjour. Ça ne va enlever rien dans les toits, dans ta corps. Good morning for everybody. Good morning, Cameroun. Good morning. All people, they did for you, everywhere. Et quand vous me présentez, je suis quand même un pasteur que les liturgiquement. Vous êtes quoi? Je suis un pasteur que les légitimement reconnaissent.
The Lord will present me like man of the God. Ne me prendez pas comme les petits pasteurs qui après va organiser les quêtes et les messes pour prendre les 25 francs. Voilà, when you present me, you say, today we have a majority and celebrity to receive somewhere who God know him very well. Oui, on n'a pas passé la nuit sur votre présentation. Je parlais donc de Theresa May, si vous la connaissez, parce qu'après, vous ne pouvez pas avoir la science infuse. Est-ce que vous connaissez qu'au Royaume-Uni, Theresa May a démissionné vendredi dernier? Quel avenir pour le Brexit? Bon, I think that everything has all time. Si on est démissionné, then it's except you have the only reason to demissionnite. Oui. But for the moment, I have nothing. Je préfère que tu me poses les questions about we and God. Quoi? We and God. Ça veut dire les relations between Theresa May and God. Si tu crois dans les dieux, tout ce que tu faisais, il go succeed. Oui. Si on croit en les dieux, tout ce qu'on les faisait, il go succeed. C'est quoi ça sur le plateau? Mesdames et messieurs, le malheur vient de nous rejoindre sur notre plateau, je dirais même la malédiction. Vous êtes là, le président du syndicat des marabouts du monde entier. Vous sortez d'où, monsieur le président du syndicat? Vous n'allez pas tarder à prendre la parole. C'est quoi monsieur le panier, le panier, le panieriste. Excuse-moi, you cannot put in the same place God and those people. Yes. Tu ne peux pas mettre des ramabous avec les gens de les dieux dans le même endroit. C'est pour ça que on le disait tout le temps que ton émission n'est pas spirituelle. L'émission est quoi? Your émission is not spiritual. Ça veut dire qu'il doit come. You must come. For said we deliver you because you are the problem. Tu ne peux pas inviter moi. Après tout, amener quelqu'un et viens mettre les trucs de cocorie. Le cocorie, oui. Il faut garder l'esprit sportif. Il faut garder l'esprit sportif. Le sport va réunir sur le plateau, vous voyez. Le sport, c'est aussi ça. Supporter l'autre, même dans ses défauts. Il faut être fair play. Et moi, j'invite tout le monde à se supporter. Mais on est sur le schéma de vivre ensemble aussi. Seigneur pasteur, on est sur le schéma du vivre ensemble. Maintenant, du vivre ensemble, ça veut dire qu'on doit accueillir tout le monde. On doit accepter tout le monde tel qu'il est. Je m'en fous de vous. Non, mais on n'accepte pas ça. On vit ensemble, mais pas lui. Quand tu invites à voir les blancs, celui qui est en face là, c'est quelqu'un qui escroque les Camerounais au quotidien. Oui. Vous avez vu ça derrière Mercedes. C'est un pasteur qui a actuellement créé des voleurs. Voilà un pasteur que lui-même on l'a chassé aux États-Unis. Pourquoi tu ne continues pas ton église aux États-Unis? En tout cas, on aura l'occasion de revenir sur le débat et sur les. J'aimerais vous accueillir, monsieur le président du syndicat de Marabout, avec la situation actuelle du pays. Il y a un foirage qui n'a pas de nom. Que même quand tu chauffes l'eau, il y a une partie de l'eau là qui reste glacée, disent certains auteurs. Comment mettre fin à la situation du Guinée actuelle? Je pense que vous avez constaté que même les coréens ne peuvent plus le sortir. Voilà, un coréen sorti. Le deuxième refus de sortir. La situation explique clairement ce qui se passe actuellement. Je tiens déjà à dire bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2, en particulier à ceux-là qui partent encore s'égarer dans l'église de ce pasteur, l'ex qui est en face de moi. Je vous précise que le marabout est capable de tout faire. Actuellement, il y a une galère qui est en train de consumer, n'est-ce pas, les Camerounais. Vous dites que non, c'est la fin du monde, c'est la crise économique. Ce n'est pas la crise économique. Ce n'est pas la crise économique. Tout le monde qui est dans la piscine, après la preuve, le constitue, vous voyez comment il est frais. Il n'a pas de problème d'argent. Parce que quand il passe dans la piscine, la clôture, il lui dit exactement ce qu'il faut faire et les affaires fonctionnent normalement. Donc je vous invite tout simplement de venir à la piscine miraculeuse et vous allez voir que le gamin va vous épargner. Il faut rappeler que l'origine du gamin, il y a un papa là qui s'est assis sur la télécommande de finances. Ça a donc augmenté plutôt l'engueulement. La télécommande s'est cassée, donc le réparateur en train d'arranger ça pour qu'on baisse encore le degré d'engueulement. Le degré d'engueulement. Monsieur le panier, ask this man, comment tous les jours il faisait les gens et sont riches? Ben, il s'est sept, il est poids. Les anciens qui m'avaient demandé de ne jamais être riche.
Sinon, ça va gâter le remède. Alors, mesdames et messieurs, vous avez donc découvert qui sont ceux-là qui vous mentiront tout au long de ces une heure que nous allons passer ensemble. Nous allons marquer une petite transition et nous revenons après la première thématique. Si vous avez le gâteau chocolat, croquez un peu une dent et on revient juste derrière. Vous avez longtemps émis le vœu d'avoir des appareils d'origine et ils sont désormais disponibles dans le magasin GKM. Le magasin GKM, le spécialiste de la vente des groupes électrogènes allant de 10 à 60 kVA, des tronçonneuses de type style, moyen et grand modèle. On y retrouve également des fumigènes pour déstabiliser la vie des insectes, des marteaux piqueurs, des compacteurs ou dames sauteuses, des compresseurs, des écrans plats allant jusqu'à 65 pouces de marque LG et Samsung, des marmites chauffantes, des perceuses chargeables, des pompes à eau, des atomiseurs de marque style, des débrayeuses, des baffles amplifiés, des voltmètres, des rallonges de qualité avec sortie USB et plein d'autres surprises. GKM est situé à Yaoundé à quelques mètres de la SDP, net après le transformateur. Téléphone 677 02 13 76 694 37 93 95. Ici chez nous, le service après-vente est assuré. Monsieur Louakou. Ah, pardon, ne me dérange pas. Je m'en vais chez mes parents. Je suis fatiguée de rester chez toi. Je suis dans la risée de tout le quartier. Je n'ai rien. Oh, l'homme me donne tout ce que je veux. Je veux rester chez l'homme. Tout le monde a une raison. Donc, tu sors chaque jour pour aller chez l'homme. Tu fais tout ce que tu veux. Il te donne tout. Eh oui. Espace La Marque, on retrouve des meubles de luxe au prix cadeau, un paradis de fleurs de toute qualité, des meilleurs fruits artificiels, des ustensiles de cuisine, une pharmacie à votre disposition pour tous vos problèmes de peau. Attention, il y a un rayon chaussures pour les femmes et même les hommes ainsi que les tout petits. Espace La Marque est situé à Yaoundé, au lieu-dit Carrefour Intendance et à Biémassi Tamtam Weekend, à Douala. C'est au boulevard de la République. Venez nombreux et vous ne serez jamais déçus. Population de Yaoundé et environ, visitez le stand de Free Africa au Palais des Sports à l'occasion de la première édition de la foire Mais Weekend World. Du 10 au 20 juin 2019, il est parti avec un découvert, une carte d'abonnement, 3 mois d'abonnement, une carte prestige et une parabole à 30 000 francs CFA. Soyez les premiers à bénéficier des merveilles de la nouvelle offre Free Africa, 205 chaînes de télévision à partir de 3 000 francs par mois. Contact 6 79 11 62 58 ou alors le 242 61 16 30. Free Africa, le meilleur de la télévision par satellite. Mesdames et messieurs, c'est du jamais vu en Afrique centrale ce qui se passe à Essosard. Oui, Essosard, la maison du matériel informatique de dernière génération. Ici, vous trouverez les régulateurs les plus sophistiqués de marque et assure au prix cadeau des modulateurs de qualité, des caméras haute définition, des fibres optiques et accessoires, des antennes d'extension, des récepteurs, des imprimantes multifonctions, des téléviseurs écran plasma, des lecteurs de code barre, des câbles réseau toute catégorie, des lecteurs d'empreintes, des bœufs de brassage, des scanners et tous les accessoires tels que les batteries, afficheurs, souris, claviers, les cartes graphiques et bien d'autres. Attention, l'installation, le paramétrage et le service après-vente est assuré. Essosard est situé à la Avenue Kennedy, face IFC. Essosard est pas de la technologie. Contact 237-679-39-39-56 650-82-10-42. Et tu veux revenir? We'll be right back.
Dr. Hughes with Senior Pastor, Sunday, 26th of May, 2019, at the Red Cross Hall, opposite Education Yaoundé, 4 p.m. Green Carpet, 5 p.m. Showtime with the craziest comedians, Megan Bisons, Charles Omoji, Madame Belanger, Boss from Nigeria, Aboy the Comic, Spacko, Mystique, Le Charismatique, Senior Pastor, MP3, Marcus, Antibara, featuring Griezmann Yagata, Colin Sucré, General Toxic, Ulrich Statham, Lansa, and many more. Rock, Best Musician, Manco Prosper, D-Michel, Emad Gospel, Jubilee Praise Team, plus many more. For entrance fee, 5,000 francs classic, 10,000 francs platinum, 40,000 francs classic couple, 100,000 francs VIP table for 4, 150,000 francs VVIP gold table for 6, and 200,000 francs VVIP platinum table for 8. For sponsorship and reservation, contact 222-31-59-20 or 651-50-28-63. Better still, 693-83-94-50. Laster Hills, Laster Hills. No pastor, no pastor. Happy birthday, Comedy Price. Happy birthday, Comedy Price. Déjà 5 ans, la plus grande émission de comédie émise sur la chaîne Canal 2 International vous invite le 4 juillet 2019 à la place Saint-Josué, Omnisports de Yaoundé. La plus grande émission de comédie émise sur la chaîne Canal 2 International vous invite le 4 juillet 2019 à la place Saint-Josué, Omnisports de Yaoundé. Monsieur Ewan Gane, votre vie est les suites, semblerait-il. De toutes les façons, vous êtes du côté de Suite Life à Oubala. Vous nous regardez et nous vous disons merci. Une autre dame dont la vie est suite, suite surtout parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Il s'agit bien sûr de Madame Dema Tapita, Viviane, épouse Elomo Ferdinand. Nous vous souhaitons un joyeux anniversaire plein de belles choses et vivement que l'on prépare chez vous parce que la nourriture, c'est la base. Lutte contre la corruption au Cameroun, de qui se moque-t-on? Voilà la première thématique que nous allons aborder ensemble et avec les téléspectateurs parce que vous aussi, votre point de vue compte. Pas tant que ça, comme le nôtre quand même, mais on peut dire que ça compte. Je commencerai par vous, merci, monsieur, monsieur Guy Moussongo. Et tout en arrachant la parole au président du syndicat qui voulait la prendre, quelle est la situation de la corruption au pays? Vous savez, la corruption étant un sport national, fut pendant longtemps très très en vogue. Mmh. Et dans le but de remettre ça à jour, de refaire cette promotion-là, de ce sport favori, on remarque qu'il y a un regain d'intérêt à ce sujet. Ouais. Voilà. Et ça se répercute sur tous les strates de la société. Oui, mais moi, les strates, on en veut que les spectateurs ont compris ça. Que quoi? Les strates. Que vous, les strates de. Bon, à toutes les épaisseurs du gazon. Oui. Voilà, toutes les tailles du gazon. Du gazon le plus haut, gazon le plus bas. D'accord. Voilà, pour faire simple. Voilà. Et comme ça, on va remarquer que même dans les marchés, c'est déjà très dangereux là-bas. Parce que chaque jour, les choses changent. Je mets le prix aujourd'hui, le prix de la godasse à 5 000. Quand je reviens demain, ça a déjà grimpé parce que j'ai déjà fait le mochoko. Et le suivant, le contrôleur des prix n'est plus là. Mmh. Donc c'est un peu ça c'est qui se passe. Donc le regain du sport, le goût du sport, de la corruption dans le pays est en train de revenir. Et ce n'est que bien pour la société parce qu'il y a l'activité financière qui commence à tourner un peu de ce côté-là. Mmh. Voilà, ça avait un peu baissé, mais ça reprend quand même. Voilà. Alors, Seigneur Pasteur, I would like to ask to you, tenez-vous bon de mettre en toute situation corruption, il y a en bon tutu, à bon de nous, le bon. C'est l'anglais, tout le monde. C'est l'anglais. Parce que, nous avons une tutu corruption. On finit grave comme une mot corruption. Corruption, I know what you're talking about. Voilà, most people are corrupt.
On commence la police. La police? Most of them. Not all of them. Some police, they are corrupt. So if they want to sew cloth for police, on the main part, like push. Fight corruption, but they don't give clothes to police that have pocket. Because they have pocket, on collier, on main. Mais est-ce que les policiers peuvent travailler sans qu'ils get kept? Yeah, we go to the put up. Move cap. Nothing. It's okay, a they're gonna be the police again. No. Il n'y a dans aucun monde entier que les policiers ne peuvent pas porter de. Mais quand tu disais seulement que les policiers sont un homme de corruption et que on va faire le tenu de et vous avez des pockets. Toi, je n'ai pas de pocket. Pasteur, on va avec tout le respect que je vous dois, avec tout le respect que je vous dois, qui vous a donné la parole? Oui, mettez un peu de silence, s'il vous plaît, sinon je risque de partir. On se calme. Très bien. Alors, de qui est-ce qu'on se moque, Pasteur Oga, quand on parle tout le temps de la corruption, on regarde tout le temps, on est en train de combattre la corruption, mais c'est toujours là dans toutes les couches de la société. De qui se moque-t-on au final? But when you want to talk about corruption, toi-même, quand tout le monde recevoir ici, after not they are giving something, toi disais-moi que je viens faire mon promotion. Ça, il faut d'abord voir les corruptions que toi tu parlais, before you want to index other people to corruption. This young man talk about police plan. Il n'y a pas de corruption. Oh. Toi-même, toi disais-moi que si je vais passer dans ta plateau, à give you something. Non, du même les réalisateurs qui sont derrière. Non, young man, excuse-moi, pasteur Oga. Jeunesse, c'est moi j'ai parlé. Ok. Toi, enfant, je peux faire les mains comme ça sur le toit. Tout disappear. C'est moi je disais toi. Et toi, je suis un homme de Dieu. I transmit with God. You know me. You know me. You tell me Limbe. You know me very well. No. I know man of God. Yes. Je vais, s'il vous plaît, permettez-moi. Ce monsieur dont il parle là, c'est l'affaire de football. Vous grondez pourquoi maintenant? Excuse-moi. Si par exemple, je parlais des habitudes de fort parce que je n'ai pas les distances between. Oui, en accord. Si par exemple, je dis, quelqu'un vient sur notre plateau pour dire que demain à la Croix-Rouge, il y a un Laughter Hills, et si quelqu'un vient dire qu'il y aura plusieurs humoristes demain à partir de 16h à la Croix-Rouge, ce n'est pas de la corruption si on demande quelque chose, c'est de la publicité. Mesdames et messieurs, comme on est des caramels, tout vient, tout donne 4 000 pour entrer. Et tout dit, du passé, les gens te le donnent caramels. Tu es anormal. En tout cas, je suis normal. Je vais tourner vers vous, petit pasteur. Voilà même de corruption. Voilà les gens. Fais pas m'indexer. Toi, arrive à toucher le. Et te dis que malade ne prendait jamais l'argent. Il ne prendait l'argent sur la sol. Just know, quand tu tournes la dos, l'argent là est divin. Mais toi, ta caméra, tu viens de la masse. Mais c'est plus la main, l'argent, tu devrais te. Monsieur le président, avant qu'on aille en Europe, savoir ce que la science pense de ce que nous sommes en train d'aborder comme problématique, je me tourne vers vous. De qui se moque-t-on quand on parle? Alors, écoutez, je vous le dis, il est clair que lorsque vous posez la question de qui se moque-t-on, vous ne parlez pas du gouvernement. Le gouvernement ne se moque de personne. Je n'ai jamais dit que c'était le gouvernement. Et c'est qui la government? La government is you, is me, is me. Tout ça, all we do inside. Comme le pec, tu me mis, oui ou non? Mais, il faut, si tu veux en parler de Sénégal en anglais, moi je suis performant. Et dit que c'est mon demande. Mais Laissez que de là, if you want to speak English,
excuse me, you cannot understand. If I set my test, what is your problem? Qui sont tes parents? Prenons-nous sur la thématique. Nous allons bientôt passer la parole à l'Europe. Vous avez un maudit pasteur qui ne fait que m'interrompre. Vous voulez que je fasse comment? C'est pas le maudition. Nous n'avons pas beaucoup de temps sur cette thématique. Merci beaucoup. Allez-y. Je pense qu'il est clair que aujourd'hui, au regard des tontines que les policiers, les gendarmes ont accumulées durant toutes ces dernières années, il est inacceptable que la corruption puisse s'arrêter à ce niveau. Vous avez constaté, inacceptable. Ils sont tous, la majorité des hommes en tenue, notamment les gendarmes, les policiers, passent dans ma piscine miraculeuse. Et ils ont un blindage à vie. Ils prennent 500. Ils ne se demandent même pas que si c'est pas après invoqué dans le taxi-là. Ils pensent seulement au taxi-man qu'avant. Ils s'en foutent. Les caméras de surveillance qui sont là, je vais donner la stratégie. Vous tournez derrière la caméra, vous dites au taximan que j'étais ici au sol, vous piétinez le taximan, pas, vous ramassez. Et j'ai vu cette stratégie-là, que certains policiers qui sont du côté de Batalon-Karam. J'ai apprécié ça. Ça, ce sont des stratégies qui font en sorte que la corruption ne voulait pas trop, mais elle est là. Et tout le monde le voit. Le ministre passe, non? Alors, les gars, ils voient tout ça. Vous pensez que vous venez parler ici et ils ne peuvent pas parler. Moi, je pense qu'il n'est pas assez peu. Moi, j'ai par exemple reçu une plainte. Un gendarme qui vient, il m'a dit que le grand marabout, notre nouveau patron, nous sert un peu il dit que non, on ne doit plus prendre les 1000 francs en euros. J'étais obligé d'enlever mes trois noms dans une cotisation. Et ça, c'est une perte pour la famille. C'est une perte pour la famille. Je lui ai dit, lave-toi, il se lave. Actuellement, il est du côté du paysage là-bas. Il a même encore ajouté trois noms de plus parce que ce qu'il fait là-bas, tu as les papiers, tu n'as pas les papiers, c'est 1000 francs, il s'en fout, il ne regarde pas. Quel qu'en soit ce qui est derrière ta voiture, il ne regarde pas. Au niveau du marché, je me suis entendu avec les concordats de prix. Ça, c'est une démonstration. Je mets quiconque au défi de baisser cette corruption. Et vous allez comprendre pourquoi je suis le président du Sénégal de mon acte. Lorsque les concurrents depuis passent dans nos marchés et dans nos boutiques, dans les quartiers, ils prennent des taxes. On appelle ça surtaxe hors hiérarchie. Rien à voir avec la corruption. Surtaxe hors hiérarchie. Et on vous laisse tranquillement vaguer à vos occupations. Mettez même le prix du matériau à 2500 francs. Ça regarde la population. Le concurrent de prix a déjà pris son argent et il s'en fout. Et il a l'onction du marabout. Ça, c'est pour continuer le blindage. Pour chuter, donc, je vais vous dire rapidement que le proverbe israélo-palestinien a expliqué auparavant, j'avais au coffre autant, et vous n'étiez pas encore né, il disait Njam, de Bidimeo, Njam. Njam de l'Elme Boglo, Njam. Njam de Gamepeur, Njam. Soko. Ce qui veut dire, quand tu vois un noir se proclamer européen, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Il faut qu'il vienne dans la piscine. Voilà. Je vais vers l'Europe. Vous, monsieur l'Européen, c'est vous l'Europe qui est venu avec la mondialisation en Afrique. Est-ce que la corruption. Est-ce que dans les cartons de mondialisation que vous avez envoyés ici, il y avait la corruption dedans? Alors, je suis tout à fait très satisfait de savoir qu'après le tour de table, vous revenez vers l'Europe, vers la science, vers le savoir, vers la connaissance. Et vers la bêtise aussi. Non, écoutez, ne me coupez pas la parole. Je suis un blanc et c'est pas de ma faute, je suis blanc. La corruption, en fait, quoi. S'il vous plaît, vous taisez quand je parle. Alors, revenons à la question. La question fondamentale. Et la prochaine fois, si des noirs m'interrompent, je ne parlerai plus. D'accord. Vous savez, vous n'avez besoin que de nous pour vivre. Oh, blanc, parlez, très cher blanc. Merci. Alors, corruption, c'est de vous qu'on se moque. C'est de vous qu'on se moque. Écoutez, quand je suis arrivé au Cameroun en 2000, je ne sais plus quoi, j'étais allé à l'hôpital. Et je m'ai fait un examen, mais c'est moi qui ai choisi ce qu'il devait mettre dans le résultat. Elle m'a dit, monsieur, mais apte ou inapte, c'est moi qui ai choisi. Parce que j'ai payé. Deux billets d'euros et 8 bars, c'est eux qui décident. Bah, tu peux dire, mettez séro positif, séro négatif. En fait, c'est de vous qu'on se moque. Alors, me mettre au milieu de deux individus, particulièrement d'un individu qui a l'impression qu'il connaît tout, c'est la plus grosse marque de corruption. Il ne connaît rien. Déjà, il faut l'avouer devant le plateau, Canada International, ce monsieur ne connaît rien.
Il est donc corrompu. Dans ton pays. Il est donc corrompu. Il est formé pour corrompre les autres à croire à ses bêtises. Moi, voilà, en France, on utilise ça pour faire vêtements. Comme quoi ouais, mes vêtements, ça ne fait pas peur aux enfants. Ça ne fait pas peur aux enfants. Mets-toi un peu de l'argent. Mets-toi un peu de l'argent, c'est l'argent qui va partir. Une chose, je vais vous dire. Toi-même, tu vas voir ce qui va se passer. Le pasteur dit, ça, ça, on est marché, on est vivant ensemble. Oui. La prochaine fois, je vais une place spéciale. Hein. D'accord. Pas entouré de noirs. On va vous amener à l'entrée de Canada. Comme tu as mis le portail dans ta Mais si vous ne coupez pas la parole. Oui. Conclusion. C'est de vous qu'on se moque dans la corruption. Oui. Et des individus comme celui-ci. Alors, en concrétant, le dernier tour de table, 10 secondes. Moi, je vais faire 10 secondes, s'il vous plaît. Quand à la lumière des choses, telles qu'on voit les choses évoluer, bientôt, peut-être, pourquoi pas, il y aura une journée mondiale de la corruption. Je ne sais pas quel est votre point de vue sur la question. On devrait décréter une journée fériée parce qu'on célèbre la corruption. Pasteur, I think that the question is not for me. Dieu n'est pas corruption. Dieu ne connaît pas. Je tiens à préciser ici que le pasteur a eu son permis Dieu, la langue de la chèvre. Dieu ne connaît pas. Il a donné deux chèvres. Excuse-moi. Nous sommes au courant. Quand je vais te parler, tu prends toujours des positions festantes. Prends des méfiances. Je vais verser le cas de l'audition. Oui, mais ne versez pas. Voilà, Dieu n'est pas de corruption. Dieu est quelqu'un qui est juste. Voilà. Dieu est juste. Si tu rendais gloire à God hier, for heaven, it will be pay you. Je crois que la question là is not for me. Poser la question à des ramabos avec tous ceux qui viennent exploiter les diamants avec la offre. Je ne peux pas m'indexer pas, monsieur, parce que moi, je n'ai pas affaire avec des pasteurs et des trucs. En Europe, ça n'existe pas. Voilà. Je suis taisé quand je parle ici. Okay. Alors, c'est moi qui prends la parole. Qui vous donne la parole? Mais allez-y. Vous n'êtes pas dans votre pays. Très cher blanc, allez taiser quand un blanc parle. C'est mon père qui a colonisé ton père dont tu te tais, d'accord? Le pauvre. Regarde, t'es l'air en plus, t'es moche. Et là, bon, à voir. Et tu fais peur aux enfants en France, on dit du, et leurs enfants s'en pleurent. Tu vois, la prochaine fois, je vais piloter un voisin. Très cher blanc. Il y a les animaux dans la chambre. Très cher blanc. Je peux parler. Il y a le loup comme ça, parce qu'il va Très cher blanc, avec tout le respect que vous devez avoir 10 secondes, nous sommes en train de finir. Donc, si vous êtes sage, parlez. Le blanc est sage. Oui. La sagesse est blanche. Alors, je suis en train de dire chose. S'il faut une journée internationale de la corruption, c'est à nous de décider. Parce que vous n'avez pas le droit de créer une journée internationale. C'est au blanc, c'est à la science, c'est au savoir. Oui. Le noir n'a rien. Le noir est moche, il fait pleurer aux enfants et c'est tout. Comme lui, si je montre à ma fille, elle est mon Seigneur Pastor, vous n'êtes pas loin de la blancheur ou de la brunure. Vous qui n'êtes pas loin de la blancheur ou de la brunure, devrait-on penser à une journée internationale de célébration de la corruption, vu que nous sommes en train d'avancer vers ça? Ok, if I tell you that I hear what you are saying, Can we think about a journée nationale? How do you say it? International Day of Corruption. Tu ne comprends pas, moi je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? C'est ça, on va look for the day. We will look for that day to celebrate corruption. Yes. Because many people are corrupt. Yes. Dans la famille. Même le 21 mai, on finit avec la fête internationale. Voilà. On fait les fils de corruption. This young man, on invite les men of God. Il y a encore le men of God, c'est corrupt. Je voulais défendre de toi. Non. C'est oui, people of God, you are not them. Ce n'est pas du anonymat. Dites-vous, je suis déjà placé dans le carrefour. Vous voulez déjà placé dans le carrefour, donc ne le faisons pas trop sécher. Je pense que, en ce qui concerne la corruption, je défie les autorités camerounaises de stopper, ne serait-ce la corruption des gendarmes et des policiers qui ne vérifient ni carte nationale, qui ne vérifient rien et se contentent plus de 1000 francs de 500. Et il y a un qui m'a dit non, on va lancer une opération, tu filmes un gendarme ou un policier en train de prendre les 1000 francs, tu viens avec au niveau de la délégation. Tu vas voir le feu. Oui. Tu parles là-bas, c'est le chef même qui te demande que qui t'a envoyé. Il t'a demandé de partir surveiller. Il est sur le soleil comme ça, toi tu sais, tu penses qu'il manque de quoi là-bas. Donc c'est une façon de vous dire que ne vous dérangez pas, chers téléspectateurs. Le président du syndicat de Marabout est là, je vous rassure, et je vous suis, et je vous rassure que seulement
je veux faire disparaître les anciens esclaves qui sont restés en Europe. Vous êtes trop bien. Voilà. Alors, Big Rouge était placé au Carrefour. Le soleil a tellement brûlé qu'il a décidé de fuir. Il est en train de pleuvoir là où il est. Donc, du coup, on ne pourra pas plus ou moins la voir pour ce samedi. Mais nous allons adresser le bonjour à M. André. Je vais faire la magie ici. On l'aura ce samedi. On l'aura ce samedi. Je suis en train de travailler. Essayez de travailler. Je travaille. Travailler pour ma part, c'est comme ça. Pour travailler pour qu'on puisse la voir. Mais en attendant, il y a des Camerounais qui se sont prononcés, qui ont donné leur point de vue et qui estime que le marabout c'est le plus corrompu du plateau et un menteur. Le mandant Bosco. Okay. Donc, on veut le manger ensemble, on n'a pas de PB avec le vivre ensemble. Le faux marabout a mis le pasteur Valérie où voilà, le pasteur Valérie sera bien. C'est un bombis. Il m'a dit descendre. Oui, il cherche quoi, on ne sait pas. Voilà. Alors, nous allons marquer une petite transition et nous revenons. Merci de rester avec nous, surtout ceux qui ont fait le pilier chez eux. Merci d'être là. Happy birthday, Comedy Price. Happy birthday, Comedy Price. Déjà 5 ans, la plus grande émission de comédie émise sur la chaîne Canal 2 International vous invite le 4 juillet 2019 à la place Saint-Josué, omnisport de Yaoundé. La plus grande émission de comédie émise sur la chaîne Canal 2 International vous invite le 4 juillet 2019 à la place Saint-Josué, omnisport de Yaoundé. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Nous vous souhaitons un happy birthday, plein de belles choses à vous et vivement que l'on prépare chez vous. Alors, Monsieur Eric et son épouse Clarisse depuis Zurich, merci beaucoup de nous suivre depuis la Suisse. Le colonel est un peu malade. Il est travaillé à distance. Ça va aller. L'épouse de qui est Roger Colon. Ce n'est pas peut-être l'absence de gâteau dans son organisme. Monsieur Miramabou, tu le vois, il va me suivre aussi en bas. C'est la Roger Colon. Nous avançons peu à peu vers la Cannes. Nous avançons peu à peu vers la Cannes 2019. C'est pas de ça que nous avons besoin de parler, non? Tu comprends qui? C'est la deuxième thématique. Nous avançons peu à peu vers la Cannes 2019. Sidoff en mode business, on va le dire. Voilà, voilà. Est-ce que vous vous rappelez que je vous prends à témoin cette fois-ci, monsieur le journaliste? Oui. Je vous avais dit à l'époque, j'avais 50 secondes pour chacun. Que quand j'analyse, j'ai regardé ce doigt dans les yeux. J'ai vu les yeux d'un homme d'affaires. Et vous m'avez dit non, il ne fait pas les affaires, il ne va pas faire comme les autres, il ne va pas demander l'argent. Oui. Que si tu veux jouer, donne-moi 20 millions. Tu vois, les Mbappé comme ça sont restés en France parce qu'ils n'avaient pas, ils n'ont pas l'esprit de la motivation pour soutenir le pays. Et aujourd'hui, la liste de ces doigts, si c'est 37 ou c'est 34 joueurs convoqués, c'est pour faire quoi? C'est pour jouer, non? Pour jouer comment? On prépare une Coupe d'Afrique qui est à pratiquement, sans le vérifier dans les Corées, qui est à pratiquement à 2 semaines du début. Vous convoquez 37 ou c'est 34 joueurs, les Corées ne voient pas exactement le nombre. C'est pour faire quoi? Le ballon sort souvent du stade, il faut le ramasser. Je vous explique. Quand j'ai été le Corée, il y a des bons joueurs. Maintenant, il y a des joueurs qui sont le Corée là. Parce que Cédor a décidé de faire comme tout bon Camerounais. Déjà, il s'est camerounisé. C'est-à-dire, ne faut pas respirer. Parlez bien français, s'il vous plaît. C'est-à-dire, il a décidé aussi de faire le gombo. Et il va faire le gombo jusqu'à ce que le couscous sera mangé avec ce gombo. Il s'en fout. D'ailleurs, vous avez vu ce doit faire la revue de
la conférence de presse pour donner la liste des joueurs convoqués. Mm-hmm. Comme vous voyez en France, aux États-Unis, partout, comme ça se passe, c'est spectaculaire. Il envoie ça sur le hasard, il dit, battez vous sur ici. Il mange le caviar là-bas en Hollande. Mm-hmm. Il dit que faire comme vous voulez faire. Et quand il arrive, il fait ce gombo. C'est ça le gombo qui va se faire. Et je peux vous rassurer ici que, en tant que marabout, si vous voulez, je lui lance la démission. Ouais. Ou bien, je laisse, on part avec Mulier en Afrique du Sud, c'est encore où en Égypte. En Égypte. Oui. L'Afrique du Sud avait refusé. On part avec Mulier en Égypte. Oui. Ou encore, je peux travailler par ma magie comme j'avais d'abord fait. On a remporté la Coupe d'Afrique au Gabon. Mm-hmm. Je ne peux encore faire de magie. Mais il faut d'abord qu'on me rembourse mon argent. Oui. L'argent du Gabon n'a pas encore été remboursé. Mm-hmm. Les moins de 17 ans ont remporté la CAN. Oui. L'argent n'a pas encore été remboursé. Mm-hmm. Et il y a aussi que les Lyons vont aller prendre le premier match, elles vont prendre 5-0 parce que depuis là, je dis qu'il faut donner deux chèvres à Binos, comme la Binos qui est sur le plateau, avec deux palais de vin rouge. Oui. Personne n'a encore réagi. Donc, je vous annonce que les gars vont faire 5-0. Mais si vous venez me voir, oui. Le premier match, on va faire match nul. Les gars vont faire match nul dans la Coupe du Monde. Voilà. Donc, c'est pour vous rassurer que le marabout, mm-hmm. là, c'est doit faire le business comme c'est passé sur le plateau. Alors, on va revenir avec le ministre tout à l'heure. On a tout parlé de corruption. Oui. Hein. Quand on parle de corruption, on a décidé à sur les people, mm-hmm. les gangans, avec tout ce qui est poursuivi. Oui. Qu'est-ce que nous a décidé c'est cette et sa football corruption day. Mm-hmm. Me, I was a good footballer. I was. Ça veut dire que je yes. suis fui. Je oui. suis fui un bon footballer. Il n'y a pas de corruption. Oh. Tu veux jouer, tu donnes l'argent. On n'est plus sur la corruption, non? Non, c'est juste le passage. On a donc talk about football en Sidov. Quand on fait le lycée, for l'imbé, if you are you, tu ne peux pas envoyer de l'argent, oui. tout refuser. Oui, et puis la Cameroun, ce n'est pas de Hollande. La Cameroun, ce n'est pas de France. Oui. La Cameroun, c'est la Cameroun. Si toi, c'est simple, moi, je suis dans son place, je vais faire la même chose. Hein? Oui, je vais faire la même chose. Oui. Avec oui. my brother. C'est dans son église. Nous allons continuer sur cette thématique. Big Rouge me fait signe, me fait comprendre que le soleil est ressorti là où il est, parce qu'il est du quartier du quartier Oyomaba. Oyomaba, qu'est-ce qui se passe là-bas? Big Rouge. Oui, mais là, je suis bien comme vous le constatez, je suis très content de vous aller, parce que je suis bel et bien comme ça, à être tête à Oyomaba, où la situation est joisissime, joisissime, joie. Voilà donc le gouvernement qui a dit assez de longs discours, place aux actes. Après rapport à ces actes, voilà donc le ministère des Petites et Moyennes Entreprises qui a décidé comme ça, poser un acte fort, en créant comme ça ces entreprises qui permettent à la jeunesse de ne plus chômer. Merci à vous les studios, comme vous constatez, je suis très content de vous voir, parce que je suis bel et bien comme ça, à être tête à Oyomaba, où la situation est joisissime, joisissime, joie. Voilà donc le gouvernement qui a dit assez de longs discours, place aux actes. Après rapport à ces actes, voilà donc le ministère des Petites et Moyennes Entreprises qui a décidé comme ça, poser un acte fort, en créant comme ça ces entreprises qui permettent à la jeunesse de ne plus chômer, de ne plus fumer du pampanapal, de ne plus boire de n'importe quoi, mais de travailler de leur main. Parce qu'on dit, les jeunesse sont le fer de l'art de la nation. Nous avons comme ça. Des rigoleurs qui mettent les rigoles, des laveurs qui prennent dans la laverie, qui lavent tout, les motos, les voitures, les pousses, les brouettes. Nous avons même comme ça, celle-là qui se trouve derrière moi, où nous avons décidé comme ça, élever des poissons. Nous avons des maquereaux, nous avons des kangas, nous avons même comme ça, tout autre type de poissons qui va permettre à nos poissonneries de pouvoir se ravitailler. Nous allons prendre le point de vue comme ça, de cette jeunesse qui dit merci au gouvernement de ce que vous faites pour nous à été tac. Je vous retiens dans un instant. Monsieur le notable, ouais, nous sommes venus à Ététiac, venus constater le joyeux bijou route que vous avez ici là. Comment ça se passe que c'est un peu à côté de chez vous qu'on a choisi de venir faire ce genre de route? Nous sommes professionnellement mal fichus. Oui. Parce que par exemple de Ététiac à Mokoro, mm-hmm. ça fait un tarif de 100 francs. Oui. Alors ça pose trop de problèmes maintenant pour les révérends. Nous sommes vraiment mal pris. On ne comprend pas. À un certain moment, on vous dit, c'est la ligne de 7 qui doit faire ceci. Oh, ce n'est pas la ligne de 7, c'est la communauté urbaine. Le
venu comme ça témoigner la véracité de cet emploi qui a été créé pour vous, la jeunesse. Qu'est-ce que vous tu dis? Bon, ce que moi je dis, c'est que bon, nous on est là, on se bat aussi. Oui. On se bat pour l'État et l'État nous paye aussi pour ça. Ah, donc vous êtes payé? On est payé. Ah, ça veut dire que c'est pas gratuit. C'est pas gratuit, c'est pas gratuit. Okay. Est-ce que le salaire nourrit son homme? Ça nourrit son homme. Oh. Voilà. Mmh. Bonjour mon frère. Bonjour. Apparemment vous êtes content de l'initiative du ministère des petites et moyennes entreprises qui a créé comme ça une société qui vous permet de gagner votre vie. Oui, nous sommes très très contents. Oui. Parce que quand il pleut ici, il y a un monde partout là. Oui. Et qui fait qu'au lieu de 200, les clients paient 400. Ah bon? Et nous sommes très contents. Oui. Nous sommes très contents de la situation. Ah. Et ce qui fait que quand il pleut, oui, ça inonde là. Et quand nous passons le moteur, quand l'eau entre dans le moteur, oui, le moteur peut couler. Ah bon? Le moteur peut couler. Uh-huh. Même les roulements de la moto sont en danger. Oui. Mais ce qui fait que quand le client monte, le Mokolo jusqu'à en Colbison, oui, il est obligé de payer 400 francs. Oui. Sinon, nous ne portons pas. Mais tu vois pas que c'est le vivre ensemble. Si ça te gâte et que tu amènes chez quelqu'un, ça permet aussi qu'il travaille, non? C'est vivre ensemble. Oui. Parce que si je me sacrifie, je te porte de Mokolo jusqu'à un moment, uh-huh, je te porte dans l'eau, je travaille. Ça veut dire que c'est vivre ensemble. Oui. Vivre ensemble, ce sont des gens qui sont unis. Oui. Regarde, le sous-préfet préfère arranger le chez lui que de venir arranger le chez nous pour nous tous. Ah bon? Lui préfère arranger le délégué, arranger seulement le chez lui. Ok. Il entoure les routes chez lui. Oui. Mais nous tous, donc, alors, on va aller vivre chez lui. Nous vivons donc ensemble où? On n'est plus ensemble, gars. Oui. Nous ne sommes plus ensemble. Allez dire aux autorités là que nous, on nous emmerde. On ne vit plus avec eux, on ne veut même plus de rien d'eux. Donc tu vis seul? Oui, que nous vivons comme ça. Ok. Tout le monde se bat comme eux là, ils sont en train de se battre. Oui. Chaque jour, avant tu y es, c'était la magie. L'eau était si courant. Mais ça vous permet d'apprendre à nager, non? Ça nous... On souffre ici, la vie dans la lave, c'est là-bas. Vous venez dire que ça nous apprend à vivre. Mais... Alors qu'on a encore souffri. On a créé un lac là-bas, j'ai vu les poissons. Là, tu veux même qu'on fasse comment ici? Si tu veux qu'on fasse quelque chose ici, oui, là, il faut que le gouvernement parle de Timou. Oui. Il vient nous arranger la route. Uh-huh. Là, on ne va plus rien lui demander. Okay. Parce que tous les jours, le transport monte tous les jours. Oui. Comme je parle là, oui, je suis à 500 francs. Ah, oui. Donc si je fais aller et tout, ça fait combien? Ça fait 1000 francs. Je travaille quoi? J'ai combien dans l'économie? Ah. Hein? Regardez tout ce monde là pour arriver au Yoma dans la Maverick. Oui. C'est 400 francs une personne. Ouais. Imagine-toi donc que si tu fais aller-retour, ça fait 800. Ton enfant va manger quoi? Le reste va faire comment? Okay. On en est marre de ça, mon père. D'accord. Ça, c'est la boue. Dis donc, il nous emmerde pas, il part avec ça là-bas. D'accord. Nous, on ne vit pas ensemble, on est plus ensemble même. Ok. Qui part avec? D'accord. Vous êtes habitant de Tétap. Oui. Voilà. Le ministère des petites et moyennes entreprises a décidé de mettre fin au chômage de la jeunesse et a donc créé beaucoup d'activités autour de cet endroit mythique. Qu'est-ce que vous pensez? Ça, c'est bien fait pour le ministère de la jeunesse qui a pensé au quartier de Tétap situé à Oumaban. Uh-huh. Ici, là, nous avons des laveurs, oui, qui trouvent les comptes chaque jour. Oui. Nous avons les rigoleurs qui, oui, trouvent les comptes chaque jour. Uh-huh. Même les taximans, oui, parce que quand il pleut, le prix du taxi augmente. Ah, et les 100 francs, 150, les gens payent 200 à 300 pour arriver à Mokolo. Uh-huh. Et voilà, ça a créé beaucoup d'activités ici là au quartier au Mbaban, plus précisément à Epetat. Uh-huh. Voilà. Qu'est-ce que vous dites au gouvernement qui a mis les petits plats dans les grands en vous créant l'emploi ici? Parce que c'est que tes affaires tournent. Oui, vraiment, nos affaires tournent ici à merveille. Oui. Et je veux rappeler aux téléspectateurs qui nous regardent que nous sommes dans le quartier de l'ancien délégué du gouvernement, Emma Basile, et le quartier du nouveau délégué, Timier Vouna. Ah bon? Un quartier qui a connu deux délégués, vraiment, okay, regardez la route. C'est vraiment merveilleux pour ce pays. Uh-huh. Et nous croyons que le pays avance. Oui. Et l'économie ici tourne à merveille. Oui. Vraiment, que le pays change. Merci. Le vivre ensemble se vit ici. Ok. Oui, vous avez bien suivi, ils ont tout dit, vous avez tous entendu ce qu'ils disent. La population de Tétap à Oyomaba dit merci le plus profond de leur poumon. Donc ici, tout va bien, tout est sous contrôle, l'économie est en train de fonctionner. On dit merci au ministère des petites et moyennes entreprises. Que dirais-je? Que pensais-je? Que vois-je? Vive rouge! Pour Comédie Presse, je vous renvoie l'antenne. Voilà, merci de toujours me renvoyer l'antenne parce que c'est mon antenne
et ça le demeurera pour les siècles des siècles. Alors, nous sommes de retour sur le plateau avec des hommes. L'Européen ne s'est pas encore prononcé sur la deuxième thématique. Rappelons-le, la deuxième thématique, c'est la CAN 2019. Sidov, en mode business. Avant de prendre Big Rouge, les deux premiers panélistes étaient en train de positionner Sidov comme un businessman. Peut-on vraiment croire cela de lui, monsieur l'Européen? Vous le savez très certainement. Sidov était parmi ces gens-là qu'on voyait comme entraîneur du Real de Madrid. Donc, et c'est la première fois pour lui en Afrique. Donc, il y a énormément de défis pour lui. Doit-il se pencher vers le business alors qu'il vient d'arriver? Alors, je suis tout à fait toujours content, il faut que je le rappelle, que vous me donniez la parole toujours après le bruit et le désordre. Mmh. Ça prouve que vous connaissez que j'ai la science, j'ai le savoir, j'ai le dernier mot. Et la bêtise aussi. Alors, en Europe, l'esprit européen, c'est l'esprit capitaliste. Oui. Personne ne vous aimera mieux que vous-même. Oui. Écoutez, s'il est venu en Afrique, c'est parce qu'il y a des capitaux, parce qu'il y a du business, parce qu'il y a de l'argent. En Europe, c'est ce qu'on cherche, parce qu'il y a des impôts à payer tout le temps. Mmh. Cette jolie montre que je porte, j'ai des impôts à payer parce que je porte cette marque. Mmh. Du coup, à chaque fois où je suis, je dois chercher de l'argent. Le fait que je pose ma main ici, s'il vous plaît, je n'ai pas besoin de marabout. Écoutez, je regrette de dire une chose. Restez dans la thématique. Non, je regrette de dire une chose. Je n'aimerais pas que chaque fois que cette émission passe, j'avertis en France, en Europe, qu'on ne mette pas ma fille devant la télévision. Oui. Sinon, qu'elle risquerait de faire chaque fois des cauchemars, avoir une calebasse noire comme ça qui parle. Je suis surpris qu'il parle. En France, ça ne parle pas, c'est ça. Si les étudiants africains qui sont là-bas ne parlent pas. Non, en France, ça ne parle pas. Oui. En France, c'est... Si les étudiants africains là-bas qui sont là-bas qui brûlent les ambassades, en France, ça ne parle pas. Ça fait pitié, en fait. Ok. Oui, s'il fait son business, il est venu pour le business. Alors, c'est pas à lui de mettre le football dans vos pieds. Oui. Alors, mais écoutez, un leader, c'est un stratège. Je vous dis ce que vous allez à faire. Ne m'amenez pas encore. Ne nous obligez pas à vous recoloniser. Vous avez déjà colonisé politique. Ne nous obligez pas à vous recoloniser. Sinon, je pourrais venir avec du sang blanc pour faire circuler dans le corps de ces joueurs. C'est ça que je termine mon propos en disant c'est la toute dernière fois que je me sens interrompu par une espèce de... Vous ne savez même pas que nous autres Africains, nous sommes en train de préparer une colonisation contre vous. Hein. Toutes nos filles là, on est en train de faire ça. Elles sont en train de devenir jeunes, jeunes. Elles vont arriver là-bas, vous allez croire que ce sont les blancs. On est en train de les transformer. Seigneur pasteur, nous nous tournons vers vous aussi, avant bien sûr de donner la parole au sport même en question. Sidov, do you know him? Do you think what he's doing with national team is a type of corruption? It's a type of corruption somehow because you can never be 100%. On ne parle pas de corruption. Perfect. Écoutez, yes. On ne parle pas de corruption. Some people will give you... On parle de business. Gagnons un temps. On parle de business. Okay. The business. Voilà. Some people will not call it business. Yeah. But say a business. Yes. That you said, prendre les 2 millions, c'est pas, I need to give you for nothing, rien. Mais il y a mon petit frère, il joue. Yes. Tout donne une fois, deux fois, after you bring the person. Yes. It's not really business because he's trying to promote somebody you don't know. Yes. Voilà. Alors, je me sens interpellé par ce message, plus ou moins, parce qu'il y a toujours les gens comme ça. Ça, c'est un message que nous venons de recevoir. Je vais le lire pour que vous soyez tous témoins de la mentalité des Camerounais. Bonjour, mes tontons sur le plateau. S'il vous plaît, excusez ma question. Ma question ne concerne pas la CAD, mais aidez-moi. S'il vous plaît, le BP se compose en géographie ou en histoire. C'est l'Afrique du désordre. Monsieur le marabout, je ne sais pas. C'est comme un maman qui part dans l'hôpital pour donner des naissances. Si ce n'est pas un garçon que tu vas accoucher, c'est une fille. Parce que ce n'est pas les histoires. Donc, disons à l'enfant là d'apprendre toute sa leçon, comme ça il ne va pas sera coïncider. Voilà, j'espère qu'il a compris. Donc, on est pour avec vous, Seigneur Pasteur. Vous dites que vous aussi, prendre 2 millions, c'est faire du business. Mais est-ce que c'est réellement ce que Sidov fait avec les joueurs? Ce n'est pas des applications gratuites?
We cannot really say that he's doing business because you don't see him taking money. You don't have the proof. You don't have the proof. Yes. So you cannot go and he's taking money. So you see somebody new. Yes. Qu'est-ce qu'il fait donc avec plus de 30 joueurs? Ah, you will give him confiance. Monsieur le panéliste, il y a un consultant qui est à soi là. Fait savoir, d'abord, c'est ça qu'on appelle les pré-sélection. Laissez-moi que je me tourne vers monsieur, vous êtes consultant sportif. Vous le savez mieux que nous. Qu'est-ce que Sidov est en train de faire actuellement? Comment est-ce qu'on peut qualifier le travail qu'il fait aujourd'hui? Aujourd'hui, il est en train de faire un travail simple. Il est en train de mettre la viande dans la sauce. Parce que vous savez, il a trouvé le Cameroun avec sa mamie de sauce. Mm-hmm. Où on avait déjà mis des pays là-dedans dans la CAN précédente. Mm-hmm. Donc quand il arrive, il a une mamie de sauce, mais les gens ont déjà enlevé les morceaux de viande dedans. Mmh. Donc, de façon naturelle, il faut bien qu'il remette la viande dans la sauce. Voilà, donc, et pour mettre la viande dans la sauce, il a donc besoin d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup de capital pour pouvoir faire son choix. Parce qu'il faut avoir certaines sommes pour avoir certains types de viande. Oui. Donc, c'est pourquoi il se permet donc de prendre autant de personnes. Mais il faut dire que lui-même personnellement n'a que fait 30, il n'a sélectionné que 30 joueurs. Mmh. Mais comme nous avons l'habitude des mallettes qui voient dans les avions et qui changent souvent de contenu, donc le mail qui tend de l'Europe pour arriver en Afrique, il y a eu un transfert là-dedans, un transfert de 4 noms pour pouvoir bien agrémenter la chose. Mmh. Donc lors de ce transfert, donc, la FECAFOOT a fait ce qu'il faut faire, ce qu'il fallait faire, a donc fait une présélection de 4 pour augmenter le capital de Sidov afin qu'il puisse mieux tamiser, comme le pasteur a dit tout à l'heure. Ce tamis donc lui permettra d'avoir une essence même, une essence footballistique sûre. Pour un Africain de parler sans mettre nourriture, viande, tamis, il n'y avait pas d'autres métaphores, d'autres implants. Bon, mais qu'est-ce que vous I have something to say to Sidov. Oui. Ce n'est pas le combo de moi. Oui, vous avez un joueur qui s'en plaît. Ahav Nkoulou, le grand Nkoulou. Oui. Qu'il faut qu'elle lui appelle là-bas. Le Rav Matip. Oui. Qui va jouer le final de la Champions League. Ils ne sont pas dans la liste. Alors, bon, pourquoi nous ne devons pas les chercher là-bas? Monsieur le panéliste. Mesdames et messieurs. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci Seigneur Pasteur. On retrouvera bien sûr demain du côté de la Croix-Rouge. À partir de 16h, il faudra être là avec pas mal d'autres humoristes. Gordon et Charles Isodier qui viendront du Nigeria. Moussi Charismatique au Boyda Comique seront là. Ce sera un très beau spectacle. Alors merci Monsieur le Président du syndicat des Marabouts du Monde. Merci le Pasteur. Merci. Mesdames et Messieurs, samedi à 11h, on sera encore sur notre plateau. Ça devient emmerdant cette histoire. Voilà. Moi, quoi? Ne me mélangez pas avec moi. Il y a encore quoi? S'il y a le point...